Alors, pourquoi une V1 élevée réduit la distance de décollage requise et augmente la distance d'arrêt décollage? C'est la vidéo du jour, c'est pas une vidéo sur V1. Je pense que là-dessus, il y aura une bonne petite dizaine de vidéos à faire. Mais de toute façon, voilà, à partir de maintenant, je vais essayer de faire des vidéos plus courtes, genre 3-4 minutes, parce qu'au-delà, ça commence à devenir pénible, je pense, sur des questions précises comme celle d'aujourd'hui. Alors, dans la course au décollage, j'ai mis quelques vitesses notables. Donc, on a VMCG, V1 évidemment, VMB, VMCA, VR, V2 une fois qu'on est en l'air. Donc pour notre plage de V1, V1 ne peut pas se trouver avant VMCG, puisqu'on veut pouvoir avoir le contrôle de l'avion une fois qu'on, enfin, quand on est au sol, en cas de panne moteur, et évidemment pas après VR. Donc V1 doit être supérieur ou égal à VMCG, et inférieur ou égal à VR. J'ai pas mis le petit signe égal là, mais voilà, c'est vous le rajoutez. Alors en cas de terrain balancé, ce qu'on appelle le cas de terrain balancé, c'est sans clearway ni stopway, donc on a juste la piste comme ça brute. On va avoir la TORA, la TODA, la SDA et la distance d'atterrissage disponible, qui vont être les mêmes. Et dans ce cas précis, et uniquement dans ce cas, on va choisir une seule V1. En fait, on n'aura pas de plage de V1, on aura une V1 unique, et on va la choisir de manière à ce que notre distance de décollage et notre distance d'arrêt décollage soient exactement la même. Donc la distance de décollage, c'est lâcher des freins jusqu'à 35 feet V2, et la distance d'arrêt décollage, c'est toujours lâcher des freins jusqu'à l'arrêt complet de l'avion sur la piste. Ici, il n'y a pas de stopway, donc l'arrêt de l'avion sur la piste. Et donc la distance d'arrêt décollage, c'est pas de V1, c'est pas, en fait c'est pas la distance qu'on va mettre pour décélérer, c'est la distance d'accélération jusqu'à V1 plus ce qu'il nous faut pour décélérer et stopper l'avion complet sur la piste. Donc ces deux distances, la distance de décollage requise et la distance d'arrêt décollage requise, doivent être les mêmes et on doit trouver une V1 équilibrée pour avoir la même TODR et la même ASDR. Donc en cas de terrain non balancé, ce qu'on appelle terrain non balancé, c'est avec une clearway ou avec une stopway ou les deux. Nos distances, la TODA, la SDA et la TORA, seront plus égales. Donc on sera plus sous la contrainte de devoir choisir une V1 équilibrée pour avoir une TODR et une SDR de même distance. Donc cette fois-ci, on va pouvoir jouer entre une plage de V1, la plage qu'on a vue tout à l'heure. La plus petite V1 possible, ce sera la VMCG, et la V1 la plus élevée possible, ce sera la vitesse de rotation de l'avion. V1. Donc la réponse à la question maintenant elle est là. On voit que si je choisis une V1 faible, là j'ai mis 110 en bleu, c'est un exemple, et que j'ai une panne moteur à cette V1, la distance qui me restera à parcourir jusqu'à la vitesse de rotation de l'avion sera relativement importante puisque en N-1, donc en situation de panne moteur, de manière assez longue. Donc là la TODR va forcément être allongée et donc voilà la distance de. Je vais mettre plus de temps pour décoller l'avion. En revanche, si j'ai une V1, si je choisis une V1 élevée, j'ai mis 135 nœuds, c'est un exemple encore. Mais si j'ai une panne moteur à cette V1, la distance qui me restera à parcourir jusqu'à la vitesse de rotation de l'avion sera moindre, et forcément ça va réduire ma distance de décollage requise. Donc en fait ce qui va créer une différence entre les différentes distances de décollage requises en fonction de la V1, c'est le temps qu'on va passer en N-1 jusqu'à la vitesse de rotation de l'avion. Et la vitesse de rotation de l'avion pour un même avion, quelle que soit la V1, parce que ça c'est quelque chose qui est arbitraire. La vitesse de rotation de l'avion, c'est un truc qui est fixe, qui ne bouge pas. Pour un même avion de même masse, c'est la vitesse de rotation de l'avion, elle est fixe. Alors quand on est dans le cas où on a une plage de V1 disponible, ce qui va déterminer si on choisit une V1 faible ou une V1 élevée, ça va être la configuration du terrain. Soit on est limité en termes de distance d'arrêt décollage disponible, dans ces cas-là, on va préférer une V1 faible, puisqu'au moment de la panne moteur à V1, on aura une énergie cinétique accumulée qui sera moindre, donc ce sera plus facile pour s'arrêter. Soit on est limité en termes de distance de décollage disponible, dans ces cas-là on va préférer une V1 élevée, et comme on vient de le voir, une V1 élevée réduit notre distance de décollage requise. Donc en fait tout dépend du facteur qui va nous limiter le plus. Soit on est plus limité par la distance d'arrêt décollage disponible, soit on est limité par la distance de décollage disponible. Ça dépend encore une fois du facteur qui nous limite le plus. Alors j'ai fait un petit tableau pour récapituler. Une V1 faible, comme on l'a vu, ça augmente notre distance de décollage requise. Ça va venir réduire notre marge par rapport aux obstacles, puisque forcément on va mettre plus de distance pour décoller l'avion. En revanche, ce qui est positif, c'est que ça va venir réduire notre distance d'arrêt décollage requise. Donc pour la V1 élevée, c'est exactement l'inverse. Donc encore une fois, entre le choix d'une V1 faible et d'une V1 élevée, tout dépend de la configuration du terrain. Et selon le choix qu'on fait, on va plus être dans l'optique du go d'un côté avec une V1 élevée, et de l'autre, bah forcément dans l'optique du stop avec une V1 faible.